s'attaquer à des médias comme Okapi, qui sont des médias quand même soutenus par les Nations Unies. Donc, bon voilà, donc nous attendons à tout. Le jour où j'ai appris que le brouillage, on avait brouillé le fond d'Okapi, j'ai appelé personnellement le président du CESAC, le Conseil supérieur du milieu de la communication, avec qui je me suis entretenu pendant plus d'une heure, parce que je voulais effectivement comprendre quelles étaient les motivations qui avaient poussé l'instance de régulation à prendre une telle grave décision. Officiellement, donc, il m'a été donné de comprendre, d'après les explications du président du CESAC, que le motif officiel était que Okapi n'avait pas pu déposer auprès du CESAC son cahier de charges ou sa grille de programme. C'est la raison principale officiellement évoquée, malgré plusieurs demandes dans ce sens. Mais nous ne sommes pas dupes aussi, parce que les informations, c'est qu'en fait, il a fallu attendre la diffusion quelques jours avant d'une interview d'un responsable politique de la rébellion pour que, en fait, M. Sack se rende compte que depuis 10 ans qu'ils sont là, parce qu'il y avait quand même 10 ans, ils n'avaient jamais déposé leur grille de programme. Et donc, vous comprenez que c'était assez ridicule comme motif officiel. Mais derrière un motif officiel peut se cacher la raison qui est une raison réelle, qui est une raison politique, c'est qu'en fait, Okapi, comme d'autres médias indépendants, c'est une radio qui dérange parfois le pouvoir en place. Et quand les autorités à ce niveau-là disent que Okapi participe, n'est-ce pas, à l'entreprise de décivilisation du pays, je pense que c'est des accusations suffisamment graves qui mettent en péril, n'est-ce pas, la sécurité des journalistes et du personnel qui travaille dans ce média. Et ça, nous disons que ce sont des déclarations assez graves, venant surtout des autorités, car ça montre effectivement que Radio Okapi et les journalistes de Radio Okapi sont effectivement en danger. Dans une démocratie, on ne prend pas ce genre de mesures qui sont en fait de la violence, en fait des mesures violentes contre un média. Il y a d'autres moyens de pouvoir exprimer son mécontentement, il y a d'autres moyens de pouvoir réagir. Quand on n'est pas d'accord avec une information, on a le droit de passer une information contraire, de donner son point de vue, mais rien, absolument, ne peut permettre dans un État qui se veut être un État de droit, à ce qu'on arrive à ce genre de voie de fait, en fait. Donc les chiffres que je vous donne de 184 cachent une autre réalité où, en fait, les médias évoluent dans un contexte, dans un climat de peur, tel que beaucoup de médias aujourd'hui s'auto-censurent. Que des journalistes, s'ils ne quittent pas carrément la profession pour ne pas risquer au quotidien leur vie, se taisent ou ne font plus correctement leur travail pour ne pas subir le sort de leurs collègues qu'ils voient soit arrêtés, soit assassinés, ou des médias qu'ils voient fermer. En fait, en analysant ces chiffres, on constate que le métier du journaliste, c'est le métier le plus dangereux à exercer en République démocratique du Congo, comparativement à d'autres corps de métier. Quand vous prenez, par exemple, chez les avocats, vous prenez chez les médecins, chez les professeurs d'université, et même chez les politiciens, vous ne trouvez pas dans ces différents corps de métier, dans ces professions, autant de nombre des gens qui font ce travail et qui sont inquiétés à cause de ce travail, que dans la presse, que dans les journalistes. Vous ne trouvez pas, alors que dans tous ces corps de métier, dans toutes ces professions, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dire. On ne peut pas dire que tous les médecins font correctement leur travail. On ne peut pas dire que les avocats, les magistrats, la justice, tout le monde, c'est tout ce qu'on a. Mais vous ne trouvez pas autant de cas des gens dans ces professions-là qui commettent aussi des erreurs ou des fautes, comme les journalistes peuvent le commettre. Vous n'enregistrez pas autant de cas d'arrestation, d'emprisonnement, de menaces, d'agression de leurs membres, comme on en connaît. Nous avons demandé. Merci infiniment. Freddy, vous allez prendre la place pour commencer le Forum international pour la liberté de la presse, pour les droits de l'homme contre l'impunité. Merci. Merci. Je pense que ça va. Avant de commencer mon allocution, je voudrais vous demander de vous lever pour garder une minute de silence pour tous les journalistes
activiste des droits de l'homme, assassiné en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, en Ukraine, en Libye, au Mali, en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays à travers le monde. Je vous remercie. Chère Cléa Kahn, responsable du Bureau Afrique des Reporters sans frontières, cher Paul Sampo Mokoulou, secrétaire général de la FDIH, madame la sénatrice Brigitte Gontier-Morin, chers confrères, distingués invités et chers participants, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être venu si massivement. Je remercie du fond du cœur mon confrère et collègue Roger Bongos, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied, sacrifiant parfois nos nuits et nos sommeils pour arriver à mieux organiser ces forums. Nous remercions vivement la France, ce pays qui nous a accueillis et adoptés, mais surtout sur le fait que c'est la France qui a initié la résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que le 2 novembre de chaque année soit une journée internationale contre l'impunité des crimes envers les journalistes. Nous remercions les Nations Unies de nous avoir fait sortir du Congo et nous remercions également, enfin, Reporters sans frontières pour son accompagnement en France. Notre forum a pour thème « Liberté de la presse, droits de l'homme et contre l'impunité ». Nous sommes ici au Presse Club de France, non pas pour faire des incantations, mais pour parler, dialoguer, partager et échanger. Notre démarche est légitime, démocratique et non subversive. Parler sur la liberté de la presse, les droits de l'homme et contre l'impunité, c'est exorciser la peur qui habite en chaque être humain pour mieux la transcender. C'est aussi briser les silences assourdissants, mieux l'homme état qui caractérise la République démocratique du Congo en ses violations massives des droits de l'homme. L'homme état sur le Congo est voulu, voire imposé, afin que ce qui se passe dans ces grands pays francophones au cœur de l'Afrique ne soit pas connu du grand public. Les autorités congolaises actuelles profitent du fait de cet homme état pour zigouiller en toute impunité. Au fait, la pancarte qui caractérise le mieux la République démocratique du Congo, c'est « Silence, on zigouille en toute impunité ». La démocratie, c'est le droit d'agir, c'est le droit de s'exprimer, c'est le droit de protester, c'est le droit de manifester, c'est le droit de se réunir, c'est le droit de voter. Sans privilège de fortune, sans privilège de naissance, sans privilège de diplôme ou de réseau. Et la démocratie, c'est toujours un scandale pour toutes les tentations oligarchiques. Tout ce qui est public doit être public. Les secrets doivent être une exception. Et le droit à l'information est fondamental. Or, qu'avons-nous compris? En République démocratique du Congo, pour tuer l'information, on assassine les journalistes, les professionnels des médias et les activistes des droits de l'homme. 16 journalistes ont été assassinés en 13 ans. Les discours larmoyants des politiques congolais après chaque assassinat d'un journaliste ou d'un professionnel des médias, voire d'un activiste des droits de l'homme, ne convainquent plus. Les scénarios ont toujours été les mêmes. Tous les journalistes congolais ont été assassinés la nuit, à proximité de leur domicile,
Et on a même retrouvé sur eux de l'argent. Or, on sait que dans un pays où les soudards et même les barbouzes sont impayés, c'est impossible. Ce qui explique que les commanditaires avaient misé gros sur la tête de ces journalistes. Une fois assassinés, on arrête des innocents, des lampistes, on organise une mascarade, des procès, souvent dans un auditorat militaire. Pour y avoir accès, ce n'est pas facile. Et il arrive qu'après l'effet des chambres, car souvent ces militaires arrêtés sont enchanvrés, que les présumés assassins se rébiffent. Et pendant ces temps, les commanditaires se pavanent et jouissent de l'impunité. Nous voulons, à travers ces forums, passer un message fort et clair que les crimes contre les journalistes, contre les professionnels des médias et contre les activistes des droits de l'homme en RDC sont des crimes imprescriptibles et que les commanditaires doivent rendre compte d'une manière ou d'une autre. Pour être un bon journaliste en RDC, il faut être soit un coupagiste ou un tiriféraire du régime. La République démocratique du Congo est le seul pays au monde où chaque sénateur, chaque député, chaque ministre a son journal, sa station de radio et sa chaîne de télévision. Or, le pluralisme médiatique au Congo est plus que frélaté car le pluralisme médiatique va de pair avec la pluralité d'opinions et